Projet T-Rock. Salut, bienvenue sur Projet T-Rock. Aujourd'hui, on part à Cherbourg pour découvrir Aelix. Cinquième groupe cherbourgeois à passer sur la chaîne, et pour cette fois on a un tout jeune groupe et vous allez voir qu'on tient encore du lourd. Le projet Aelix s'est formé au pire des moments puisqu'il est né juste avant le confinement. Pas vraiment la meilleure période pour lancer un projet, mais quand les choses ne préviennent pas, il faut s'adapter. Et c'est ce qu'ont fait les gars d'Aelix, et de fort belle manière puisque tout a été fait en do it yourself. Aelix, c'est donc un metalcore puissant, teinté de deathcore, de hardcore et de prog, des touches d'électro, ainsi que des samples orchestraux qui amènent plus de profondeur au compo. L'objectif du groupe est de faire ressentir aux gens ce qu'ils pourraient ressentir pendant un film d'action, abordant des thèmes tels que l'expérience de la guerre ou des histoires réelles, aussi psychologiques et physiques. Personnellement, je trouve la puissance de la voix impressionnante, et musicalement, entre les riffs sévèrement burnés et les solis bien sentis, Aelix met le paquet pour donner des morceaux, certes violents, mais très bien construits. Reste à les voir en live, où j'imagine à peine le bordel que ça doit mettre dans le pit. Bon, si on parlait discographie maintenant. Bah en fait, va falloir voir ça après l'extrait, dans la partie actu, parce que c'est le dossier chaud du groupe, donc on en parle juste après. L'actu d'Aelix, c'est évidemment la sortie de leur EP début juillet. Leur EP sera disponible en physique et sur les plateformes de streaming. 7 titres excellents, où il y a vraiment 5 vrais morceaux, mais les deux autres instrumentaux, claviers, sont vraiment très très bons également. Il y a une atmosphère dans ces morceaux et on ne peut pas pouvoir s'en passer pour autant. Si vous êtes amateur du genre, vous pouvez déjà découvrir 2 titres sur leur chaîne YouTube. Et pour début juillet, avec la sortie de l'EP, bien sûr, ils sortiront également leur merch. Niveau concert, abonnez-vous à leur page Facebook, car ils sont en train de préparer ça pour cet automne. Donc cela devrait tomber sous peu. J'essaierai de vous tenir au courant via l'actu des groupes, qui est diffusée, comme d'habitude, chaque dernier dimanche de chaque mois. Voilà encore du très lourd, hein. J'espère que vous aurez apprécié. En tout cas, moi je suis pas un grand amateur de genre, mais je dois avouer que ça en met plein les oreilles et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Donc grosse satisfaction pour moi, j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Soit si vous avez la chance d'aller voir en live, eh bien racontez-nous. Sinon, n'oubliez pas d'aller dans les playlists, si vous retrouvez tous les groupes qui sont passés sur la chaîne, triés par région et par genre. J'ai créé le parcours justement pour que je mette à jour tout ça, pour que tous les groupes de metalcore rentrent dans cette playlist. Donc n'hésitez pas à le faire un tour là. Sinon, il y a toujours Framacarte, bien sûr, la carte interactive, le lien est dans la description. Là aussi, vous pouvez retrouver tous les groupes qui sont passés sur la chaîne, avec les liens des vidéos qui ont été faites par Projet T-Rock. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, le Discord, et puis si vous soutenez la chaîne financièrement, il y a toujours le Tipeee. Ça aide à pouvoir financer des compiles, la deuxième est en cours, donc je vous tiens au courant de toute façon quand ce sera sorti. Voilà, je vous laisse avec comme d'habitude un dernier extrait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao.